marche là. Nous avions une observation. Monsieur le Président, puisque le tribunal, le parquet de Makété continue l'instruction pendant qu'il vous a déjà saisi. Nous ne sommes pas au courant et le tribunal n'a pas d'injonction à donner au parquet de Makété. Hein? D'accord. Voilà. La réponse constate que les mêmes questions posées à M. Jamal en ce qui concerne le contrat signé avec la République. Ce sont les mêmes questions qu'on pose à M. Vital Kamerhe. Oui. Qui n'est pas parti au contrat. Ça, c'est la première observation. La deuxième observation, M. le Président, nous sommes en matière pénale. Et c'est le ministère public qui est l'accusation. En ce qui concerne le détournement de l'opinion publique, qu'il nous précise par quel mécanisme Vital Kamerhe a détourné le montant versé à la société Jamal. Simple. C'est ce que nous cherchons comme précision. Mmh. Pour compléter ce que vient de dire le confrère, nous avons l'impression qu'on est en présence d'un ministère public bis. C'est un ministère public de lequel il reproche à la partie prévenue d'avoir réalisé une infraction X. Le rôle de la partie civile, parce qu'il faut regarder la partie civile, le rôle de la partie civile ici, c'est de nous démontrer où est-ce qu'ils ont été préjudiciés? Et par rapport à ce préjudice, de démontrer où est-ce qu'il y aura réparation. Ce n'est pas à la République de poser des questions comme si c'était le ministère public. C'est comme si le ministère public se faisait aider. Si le ministère public n'est pas prêt, qu'il nous le dise, mais qu'il ne se fasse pas aider. Votre honneur, parce que nous sommes avant que le parquet ne parle, on peut continuer. Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur du tribunal, Monsieur le procureur général, la parole tombe avec eux. Est-ce que je comprends que le conseil ne soit pas à l'aise? Le tribunal n'a pas autorisé à la République de parler. En tout cas, jusque-là, nous n'avons pas la parole. Le tribunal autorise. Merci, monsieur le président, de protéger et de me protéger. Allez. Non. Je demande que le dernier avocat qui prend la parole et que cela soit acté, monsieur le président, est directeur de cabinet de l'actuel ministre des Affaires foncières. Que la République veut appeler dans ce procès, que cela soit acté sur le primitif d'audience, que venir le directeur de cabinet d'une des personnes qui pourra venir ici comme renseignant ou témoin. Ça, c'est un. Deuxièmement, monsieur le président, la partie civile veut asseoir ses postulations sur toi. Pouvez-vous, vous, tribunal, accorder à la partie civile ce qu'elle va solliciter si vous acquittez? Troisièmement, monsieur le président, et avant de terminer, normal que je défère à la décision que votre tribunal va prendre, mais la question que mes confrères posent, mais c'est le processus dans lequel nous sommes. Ils veulent comprendre comment ils ont détourné, et le processus, c'est justement l'instruction que nous sommes en train de mener, qui, pour nous, va démontrer comment le détournement a été opéré. Et donc, si votre tribunal n'y voit pas d'inconvénient, nous avions deux petites questions encore à faire poser. Je vais dire votre honneur. Voici les personnes qui vont parler. C'est tout le monde qui veut parler. Par rapport à la peine de parler. Disposition qu'il voudrait prendre. Vous respectez ça? Hein? Vous avez répondu?
Je réponds en disant que je constate que le procureur continue son instruction, ses enquêtes. Parce que écrire au ministre des Finances, écrire au ministre de l'Enseignement primaire et secondaire, écrire au ministre de l'Agriculture, c'est pas ça. On écrit. Comment voulez-vous que je me souvienne de toutes les correspondances? Et si vous avez le temps de me garder 7 heures à l'IBD, et aujourd'hui 40 jours ici à Bakala. S'il vous plaît, procureur. Pour raison, votre honneur. Je suis ici. C'est bien écrit dans les ordonnances. Et même dans les mandats. Dans un premier temps, c'était 15 jours de confrontation. Je n'ai que de confrontation avec les membres de mon cabinet, de la commission, et avec M. Vitapula. On n'a jamais de confrontation ni avec Javal, ni avec M. de la Roma, ni avec qui que ce soit. Mais les infractions tombent, je suis là pendant 40 jours. Toutes ces questions, on pas des témoins, mais pourquoi vous avez caché à mon avis M. Vitapula? On avait tous les loisirs de nous confronter, ça allait éclairer la lanterne du tribunal. Moi, je voudrais insister encore une fois de plus, votre honneur, que ici, les faits qu'on nous reproche, en partie comme complice, c'est des détournements, des deniers publics. C'est 48 millions, dans 7 millions de dollars, mais ça change selon la citation, ou l'ordonnance ou la citation. Et je voudrais, moi, ici, que le procureur puisse démontrer comment Caméré a détourné les deniers publics qui étaient payés à M. Djamal. Est-ce que la définition des deniers publics, c'est l'argent qu'on met entre les mains de l'agent de l'État, qu'il affecte à d'autres fins pour qu'il détourne à ses propres fins. Alors, je voudrais savoir quel jour et par quel document on m'a remis à moi, Caméré, 47 millions de dollars et que j'ai détourné. Parce que j'ai entendu ici, on a étalé des nombres de maisons qui sont arrivées ici à Kinshasa, celles qui sont arrivées en Bujimaï partiellement parce que l'État n'a pas payé, c'est à quoi il s'est engagé au terme du contrat. Il était accepté pour. Et il y a eu des lettres, des rapports de quant à ça. Comment on pouvait avoir 300 maisons de Kananga à l'hôpital? Qui ne vous demande que 1,999,000 dollars américains pour que Kananga, depuis l'indépendance, bénéficie de 300 maisons neuves? Comment on peut avoir les maisons de Mujimaï? Il y en a 76, je ne sais pas combien qui sont arrivés à Mujimaï, mais 75 restent à Dar es Salaam et 16 à la SNCC à Lubumbashi. Ça, ce n'est pas de la fiction, les gens de Lubumbashi se suivent. Ils vont photographier ces maisons. Elles sont là. La SNCC exige paiement de la part du trésor public. Comment aujourd'hui on peut mentionner qu'il y a les maisons en Turquie? Et le transitaire a écrit pour que les conteneurs reviennent, ils ne reviennent pas. Mais Caméré intervient tout à ce niveau-là. C'est ça. Monsieur le Président, je pense que c'est dommage la parole, monsieur le Président. Sous peu, mon équipe juge Oyo. Oti kokufa ba comprendre que juge a comprendre le même soit linga libe Caméré yango ba bomi et peut toyer baté parce que général Kayimbi za epeka bongo ba ndé ko zela ya samba bi msa vérité na butu na ba leki e moto ba réseaux sociaux ba parlementaire debout IDPS et si ba bandi ko koma ba sali ba vidéo que Caméré mta bomi si juge o raf mais to landi vidéo msuza na chaki wana ba famille na réaction ba lobby eza masasi beta ita ku finalisasi moko te ebani te ubi eza poison ubi eza sope logo nini akufa na hôpital ba ine so ba désert du temps eza ba kandaka ya population de ba bandai koloba ko Caméré mtabomisi parce que prometaki ike arocha moto tro landango etikali ka moko ke minute muto yoka est-ce que vita Caméré loba ki arocha moto to eza ministère public président wana ya cour wana wa avocat wana ndai koloba makambo ebele wana yende mutaloba ki evita Caméré lobia ko cha moto nde vita ka matuni na lobia ngo ka batu balandi pozote me bayoki kaka tema kongola za aneka muta emotion suku balobi kaka eh hey, za ye
Il y a personne qui a la salle de vidéo, bande de coma, surtout na Facebook, nde, so quoi tu na somot. Kambo izan de plaso ya ngoyo mutalobaki makambo wana ke vita kamera lobi akocha moto avoka ngoyo yeyo yesu azuma mamba liste wana yende mta utanga bakombo wa batu nyoso oyo bako comparetre batanga avant bo comprendre avant deuxième partie oya procès oyo bata IDP si bandai kolobake na batu mzuzu ke suraya ba abeda chu batu wana nyoso ba mama Amida ba kolega pouva samba na dossier ba 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 ka ngondeni ça veut dire ministère public wa lokoti makam na nzela apo ayo kuchangwa yangwe pese pe vitae kame kanda atape kame mutu fa a protéger famille na ye yango bango ba tuna yime e bandindeni bango ba kota na dossier oyo e bandindeni nango asitaki bango muta osite bango eza Jamal muta osite bango eza bato bazo sala ba bata projet wana maison ou bien nanyo yo Nicolas Kazadi yenda za coordonnateur ya travaux nyoso wana ya ba so de mutom e bazana place wana te ezana conseiller moko baza chargé ya ba babenga ngon chargé ya ba maison au fait préfabriqué ezape na conseiller wana za kokipe makambo wana coordonnateur wana apa ba superviseur wana me mutu mtazana tashi na ye onde vite kamera lobaka tulana na muto yo Jamal Hussein Jamal. Jamal Hussein Jamal. Monsieur Ashraf. Ashraf. Ashraf Ashraf. Madame Chatur Amida. Madame Chatur Amida. Mademoiselle Soraya, bien allée déjà sur notre liste. Mademoiselle Soraya. Merci. Donc, c'est pour ça. Le tribunal. Nécessité d'appeler en espace
sort de tenter de l'humilier. Qu'est-ce que la femme vient faire ici? Est-ce qu'on l'a cité tout au long de l'histoire d'aujourd'hui? N'anya a cité, jamal ganda ogogo cité parce que zawana ou bien bitakura ou bien bamusus ba coordinateur wana. La liberté en prison n'est pas la dignité. Congolais. Et parlementaire debout, il y a IDPS. C'est grave quand même, monsieur le président. Je pense que nous devons recadrer les choses. Vous devez y a un amende à Koloba, non? Mettre les choses à leur place. Y a un amende à Koloba, avocat, on a ministère public, bah locoti, toutes les accusations, bah locoti, on a bah réseaux sociaux, peine à battre IDPS. Parce que IDPS va pas gagner comme il a qu'un à cause on gâte. Bino vous a banane, posé juge pour tenir bakati magambute, bino si vous condamnez moutou. Aibi 370 millions awa ata mutu moko te ko ta feto limbanga ka lobake o 370 millions bazolo ba 57 na 47 millions mutu ako repone mama mbongo zaka ka Jamal azwa ki 47 millions to azwa ki 57 millions soka azwa ki 47 millions 9 millions so kombere tika laki ezawa pe ona yebite apate ona ndebo tuna vitaka mere vitaka mpe ala kusabino ba preve na ibne pe ola kusiba preve bo sisi dossier bozo memango mulaika ka po bombrier bato. Les témoins ne peuvent être signés et cités qu'en fonction de l'instruction, de la nécessité de l'instruction. Vous avez instruit sur les témoins. On vous a même dérouté parce que nous avons prévenu ici à qui on a posé toute question. Simplement parce que les avocats de la République ont pris la parole pendant toute une litanie. Donc, l'embrouille. Monsieur le Président, mettez les choses en place. Les témoins, on les appelle en fonction de l'instruction. La nécessité de l'instruction. Finalement, on va appeler tout le monde. À section maintenant aussi les domestiques de M. Kamil. Appelez les domestiques. Et la femme, les femmes de nous, avocats, ou les femmes. Je ne sais pas, ça ne peut pas réponse à des véhicules. Nous en sommes à l'état de la révision. Oui, monsieur le Président, je crois que partie civile, ministère public.